Ah, effectivement, une des difficultés dans toutes nos créations, c'est de réunir plusieurs talents. Cette année, par exemple, au SIHH, nous avons présenté pour la Charms, qui est une de nos montres féminines, de nouveaux cadrans extraordinaires. Et sur cette Charms, l'histoire ne s'arrête d'ailleurs pas seulement au cadran, puisque toute la montre est un ensemble qui va du cadran, mais qui sort, qui est également sur la boîte, puisque c'est un porte-bonheur. Et les différents thèmes aujourd'hui présentés durant le SIHH étaient justement sur la chance. Et ça, on l'a transformé et en utilisant différents talents qui sont, comme je l'ai dit, des émailleurs, des graveurs, des peintres sur miniatures, sur cadrans. Alors, la difficulté est de les faire travailler, mais effectivement, avant de les faire travailler, il faut les trouver. Et pour les chercher, eh bien, le monde de l'horlogerie a quelque chose de fantastique. C'est un tout petit monde, ce small world. Et ce petit monde, eh bien, il faut réussir quelque part à l'apprivoiser et à se faire connaître et à réussir par le biais justement de connaissances à trouver la bonne personne qui un jour va donner un tout petit coup de pinceau sur votre cadran et faire que c'est un gros cadran. Tout ça se fait avec de la patience, de la connaissance et surtout de l'amour de ces métiers d'art, de l'amour de ces personnes qui savent transformer un simple cadran en une œuvre d'art. Donc c'est beaucoup par la, comme je l'ai dit, par les connaissances qu'on peut se faire au fur et à mesure de belles rencontres qu'on va tout d'un coup découvrir une personne et cette personne-là, eh bien, réussir à la faire collaborer avec d'autres talents qu'on aura découverts à d'autres moments. Donc de la patience, de l'amour, du temps et tout ça avec, je dirais, cette chance en Suisse de travailler dans un petit domaine, dans un petit pays, mais qui offre des perspectives de trouver des talents comme ça d'une manière relativement simple lorsqu'on a envie vraiment de collaborer avec ces personnes qui sont magnifiques.